mais sous lui, il s'est parlé. Le téléphone, nous sommes poisson, hein? Eh bien, dans le cas, c'était présent dans tout contact. Yo. Message, yo, voice, yo. Dans le cas, c'était très présent. Et comme M. Miskade, pas jamais voulait parler, fois ça, M. décide de parler. Dans le cas, c'est plus gros chef gang que Haïti est capable de connaître. Et Haïti qui arrive là, gangsterisation pays yon, qui arrive là, pour écraser dans le cas, impliqué à plus passer 90%. Parce que oligarque corrompu qui bat exam dans le secteur privé, quand bat exam passe par là, c'est dans le cas plus yon utilisé pour armer des jeunes garçons dans la zone métropolitaine. Non. Ça veut dire qui ça? Je dis, il faut que Haïti connaisse que politicien, il n'est pas innocent du tout. Non, ça que Haïti est, je ne dis pas. Ou même, kap tandem, kap gadem la, kap viv nan diaspora, qui toujours envie tourner. Ou dit que m'envie tourner, mais quelque part, m'a demandé qui sont faits pour tourner. Est-ce que l'obtenir mission ça? Est-ce qu'on pas kebel pour kontou? Sou kebel pour kontou, m'garantis ou pas jouer pour kontouner. Ou pas ka descendre Haïti pour la bataille. Nous pas ka bataille contre criminel ameyo. Mais pour conséquent, ou ge plateforme YouTube Foubeto, qui la, qu'on capable d'utiliser toute les émission sa yo. Pour cher yo avec tous les amis qui n'ont contact ou cher yo tout côté sur Facebook yo, parce que c'est seul moyen ou capable mener véritable combat. Parce que si je dis ya vérité capable de croiser dans mitan kafou mentiyan dans même kafou avec mentor, mais justement c'est par rapport avec combat qu'a fait au niveau réseaux sociaux à travers plateforme YouTube et alors Infobeto et Tax 69 avec Foucault, Jimmy Mouna Femo TV, ce qu'on peut plan parler Haïti et toutes les amis nous yo. Ça veut dire que combat li fait, vérité li parler, peuple a joué un message là. Nous besoin plus moun. Pardon. Nous besoin plus moun toujours. Pour message nous capable river effectivement, côté pour qu'il river. Parce que fuck, haïtien en général, dans quatre coins monde là, tendez parole ça yo, vérité yo. Parce que l'OTAN, c'était média traditionnel qui était condamné. Mais cette fois-ci, technologie a permis nous ça. Et nous-mêmes, nous avons testé qu'il n'a fait pour ça tout. Nous faisons combat. Nous foutons jamais de yo. Dans les affaires médias. Ravette ça pas carré tout le monde. Nous faisons combat. La nature, justement. Parce que nous prions bon Dieu pour ça. Si il n'est pas là, il devant toujours bien que tout le monde brale. Mais ça, le prix, ça parle toujours. Nous faisons combat. La nature, je veux le faire avec nous. Paul Denis parle toujours. Il y a un assassin président Jovenel Moïse. Ça, le prix, ça parle toujours. Bénédiction pour Haïti. Bénédiction pour Grand Sud. Nan. Nous faisons combat. Un pasteur criminel assassin gang notre qui te kon opéré dans Gérald Bataille. Yo dit non, te pote bataille tout. Saloperie ça pas là. Moi, c'est même toujours. Bon Dieu dans ciel là a fait travail. Nous pas pour une peur. Pas de mourir. Son seul mourir gagné. Nous faisons combat. Dimitri, faut pas qu'il foute Zagol dans le pays. Dans la coupe d'Haïti. Après assassinat Jovenel Moïse. Moïse Jean que te annoncé là. Nous faisons combat, mais c'est avec nous-mêmes. Nous faisons combat. Reginald Boulos, chef de gang criminel, assassin terroriste, gang sale, ennemi peuple haïtien, ennemi nous-mêmes, jeunesse haïtienne, non. Il va foutre Zagol dans le pays d'Haïti, j'ai quelqu'un qui a fait scale à l'étranger pour commander l'anté assassiné président. Il va se tourner quelques jours après. Boulos pas qu'à tourner, il fout Zagol dehors de honnête. Et tôt ou tard, la justice américaine a ban nous bourrette concrètement. Parce qu'il commence, monsieur, que l'a pas avancé. Mais justement, nous dit combat l'hypocola. Parce que le résultat que nous avons besoin, nous ne pouvons pas ni. Assassiner chef d'État en fonction de nos pays, il veut dire exactement ça veut dire. Et je dis, faut que tout le peuple haïtien voit que c'est criminel qui est dans la politique. Criminel qui est dans le secteur privé. Criminel qui est dans le droit humain. C'est Yok tout le président nous, qui est le président Jovenel Moïse. Mais quoi que vous même comme peuple, capteur de m'capteur de m'la. En dedans quoi l'extérieur pays a. Vraie bataille pour nous mener aujourd'hui. L'éclair, c'est chercher la vérité. Sous criminel, sous qui est effectivement, tout le monde qui trouve le président, pour que le monde yo, yo un côté pour machine pas frapper yo, ou bien nous foutons une réponse proportionnelle par rapport avec Zach que yo commet, sous président pays noir, qui est président Jovenel Moïse. C'est un bagage qui peut faire mal. L'homme garde moi, n'a que t'as humilié le président depuis la campagne, traité de paysan, n'a que tête zo, n'a que mon, qui est-ce que mieux? Nous sommes gros à tête tout, tête grande tout, n'a gardé yo, n'a qui fait en province, qui grandit en province. N'a qui humilié président. L'a humilié président, qui se nègre en province, comme n'a gardé yo, ou traité le de petit chien, tête zo. C'est toute la paysanne haïtienne qui a humilié. Et de fait, tout paysan doit solidariser yo pour faire combat. Et nous dit assassinat Jovenel. Tout n'est crasé, mais ça va pas passer comme ça. Il va pas passer comme ça.
Un groupe qui a fait politique dans le pays, c'est tout rien tout au président pour nous prendre pouvoir, ça va pas arrêter comme ça. N'importe qui, Jean, il faut que des réponses proportionnelles. Mais c'est vous-même comme peuple, je dis, hein, qui pour conscient, pour dire tout clairement, là, vous avez tout problème avec le président. Mais sauf assassiner. L'assassiner le président, ça montre à clair. Pas de monde qui a l'abri dans le pays, ou qui a trouvé n'importe qui, et vous n'avez pas parlé pour vous. Eh bien, moi, je ne vais jamais parler parole pour là. Et des faits que je connais quoi game dans le viseur pour vider ma tête. Mais grand architecte de l'univers, là, il n'est pas bon victoire ça. Il n'est pas bon pour voir ça. Grand Dieu Jéhovah, il n'est pas bon pour voir ça. Et nous-mêmes, tout comme jeunes garçons, nous mettons principe, l'ordre et la discipline dans le fonctionnement nous pour que nous-mêmes nous capables de mener le combat que nous avons. Parce que j'ai un peu de dire, ben, tu regardes, non, si nous ne pas rentrer dans le gendarme. Mais nous connaissons que la bataille que nous avons menée, c'est une bataille de l'eau à sel. Ce bataille, gros combat. Ce bataille qui est président assassiné là-dedans, et dans le cas assassiné, c'est yo nous fixer. Ça veut dire qui ça? Bataille n'a pas pitié et n'a pas fait pour tout bon. Et n'a pas demandé ou même comme peuple, assumer responsabilité ou à bon bateau ça, ou bien très ça, pour nous capables de river à bon port. Nous capables de libérer le pays. Ya. Nous capables. Parce que Jean Bagay a fait pour le moment, c'est pas comme ça que vous avez fait. Et il clair pour tout le monde, il n'y a pas un secret. Jean l'a fait pour le moment, il va être fait comme ça. Ok? Le système ça finit établi dans le pays. Il va faire ça, il va les gens, il va parce que la pression, il va faire ça, il va ensemble avec elle. Mais pour le moment, aïe aïe aïe, monsieur, média en l'élan, il dit pas de chance avec criminel encore pour faire Haïti, pour continuer à faire Haïti mal. N'a pas mené un véritable combat pour Haïti, qui sont même boutés, même zilés avec la Dominicanie. Capable qu'on ait stabilité. Et bien, dans ce sens, je dis aujourd'hui à papa ici, malgré plusieurs raisons qui causent nèg avec femme qui dans politique, qui dans secteur privé des affaires, qui dans la presse traditionnelle gang dans le pays d'Haïtien, pas vle pour que la vérité établie dans le gang. Yo. Yo pas vle pour monsieur parler, parce que de monsieur parler naturellement. Tout secteur criminel yo, yo pral paniquer. Et m'a dit nous aujourd'hui qui c'est 14 juillet 2024. Messieurs, dames, première raison qui cause nous est que gon bataille kap fait dans l'opinion comme quoi que de pour parler de nek amé ou c'est nek kap supporter gang ou c'est ceci ou c'est cela. Pendant que tout moun kon position, mais ça va passer tout parce que nous pas prendre l'intimidation, nous pas prendre craponaille. Nous sommes grands dans Bouddha, nous sommes grands dans le bataille ça, pas de tête langue. D'ailleurs, nous bataille à un niveau pareil, nous connaissons que des criminels de trois qui ne peuvent jamais bien, qui ne peuvent jamais à l'aise. Et bien, nous tout dit clairement, même si nous parlons maintenant, nous ne finissons pas vraiment en tout. Nous ne finissons pas vraiment en tout. En vérité, bon Dieu, même si nous pensons pour une bataille là, et bien, c'est même si nous demandé la nature justement, pour nous ballon, pour nous une chance avant. Nous ne faut briller par absence. Parce que si c'est la nature banal, n'a pas plus de possibilités pour nous garder et puis la passer comme une lettre à la poste. Même gentil, Lili. Salope sale passé. Et c'est vérité absolue. Ouais, il a peur de dire la vérité. Pas que de mourir, me dit non. Qu'on seul mourir. Pas que moun ka bouche tout personne. Mais qu'on moun que la nature pote aller, on garantit nous. En vérité, bon Dieu. Ou même ka respirer dans le territoire ça, ou respirer l'autre l'air. Ou l'autre onde. Qui pas exister dans le territoire. L'important pour que des ravettes qui passent au monde toujours. Première raison qui cause nous avons une bataille qui a fait contre Megastar international haïtiano-américain qui c'est Wyclef Jean. Wyclef Bodem salue ou pour courage ou et ou dit m'beto m'pap campé et m'dou Wyclef pas gen campé. Et puis c'est mon sorgue dans bouchou, ou ap jeune bête ou campé bon côté ou. Nous c'est nègre d'ailleurs, nous c'est petit paysan. Oligak corrompu yo rentre zam pa bateau dans pays ya. Yo achete zam yo aux États-Unis d'Amérique. Yo fait conteneur rentre sous nom l'église catholique épiscopale d'Haïti. Majorité zam qui rentre par conteneur dans pays ya. Li rentre sous franchise l'église catholique épiscopale d'Haïti. C'est oligarque corrompu qui gon deal avec des prêtres catholiques, des responsables de l'église catholique épiscopale
Alors, ce n'est pas tout prêt, mais naturellement, depuis que vous regardez ces responsables, les salles toutes, je suis capable de dire, et l'église là, ou même comme prêtre qui propre, qui sentit bon, on va retirer le corps parmi l'eau criminelle. Les amis ont entré sous nos prêtres, l'église catholique, sous nos franchises, l'église catholique épiscopale d'Haïti. Et mes amis, ça y est, leur conteneur s'est rentré dans le port de Port-au-Prince, le plus souvent, gagne un broker, l'église épiscopale d'Haïti ou l'église catholique, qui vient chercher le conteneur. Pas oublier, le seul l'église catholique qui gagne un conteneur qui rentre, il rentre dans le coin vert, tout droit. Ça veut dire que ce conteneur qui gagne franchise, l'État haïtien tellement fait, l'église catholique épiscopale d'Haïti confiance, il dit qu'il n'a pas besoin de fouiller le conteneur de yo. Parce que moun sa pa ka, yo pa machin désagrément, yo pa ka porter désagrément. Mais c'est bien joué, malheureusement, c'est faire confiance. Ça veut dire poisson fait de l'eau confiance, c'est de l'eau qui bouille. L'État haïtien fait prêtre l'église catholique épiscopale d'Haïti confiance. Et mais c'est prêtre l'église catholique épiscopale d'Haïti qui fait rentrer les âmes plus dans le pays pour des oligarques corrompus parce que yo gen franchise. Haïtien frère, kap tande, kap gade la. Nous prenons le jour qui choy, parce que nous avons parlé de ZAM, nèg armé, qui prend le péton kabouyay en d'un pays, que ou même kabite bon la kayou politicien, ou mettre commencer à vider les lieux. Moi, je dis ça très bien, oui. Ou même kabite bon la kayou politicien, côté qu'on est, qui te koun nan fait mouvement krasé, brisé dans le ZAM dans le pays, à mettre des jeunes garçons sous Jovenel, rete, conseil pas mon pour ou, selon ti l'ancien que m'gen nan même là. Ma pando vide les lieux. Parce que, jou kap vin la yo, même gens, baga la pas douce nan zye nous comme population civile, et mais le pral pas douce pour yon nan coalition gang yo, qui se gang à cravate qui nan politique yo. Fois ça, ma pando ou même comme peuple, mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart parce que, les mariage à tap fait lan, nous pas te connaît. Les lieux bien tap fait, nous pas te connaît. Je pas te vite nan pièce bagay, et mais le kabou yalan pété tout. N'est pas obligé de mettre dans sauce. Politicien avec gang à sa patte, yo prend sillon kajou. À partir de semaine qu'a vinn là, si ça moyen, hein, il t'a toujours kembé. Yo prend péton kabouyay. Et ben m'a dit nous que politicien pas vle nous citer directement parce que mettez une commission de vérité sous pied, gang n'a pral di vérité. Automatiquement qui commission vérité pral gon commission justice, gang n'a quelque part li visé. Une stratégie pour que le ballon m'ait levé. Et pour jouer la paix durable, la paix qui parle la paix, on la paix définitive dans le pays, il faut que vous promettez des mains levées avec des gens qui sont dans la gang. Vous dire bientôt, les dit oui. Ah oui! Pas des gens qui crient pas, non, par rapport avec l'action gang. Mais je dis ça très bien. Vous avez plusieurs façons qu'on manger manger quand même. Vous avez bientôt, pas besoin de plus. Si vous avez des petits paysans, vous pouvez comprendre ce que je dis là. Pas des gens qui crient gang passem. Et pas pour moun ki crie plus passé par rapport avec Zach Malhonnête que gang yo commet. Sou moun nan sa vient dans la Tibonite. Sous 7 policiers qui assassiné nan commune Liancourt. Sous 6 policiers qui assassiné nan village de Dieu. Sous 3 policiers qui assassiné nan zone comment il est nan zone Pétionville, l'invité l'homme de touye yo. Sous plusieurs policiers qui invité l'homme touye nan route frère. Youn la de yo c'est directeur académie police là qui invité l'homme craser le net à balle. Moun sa yo gen famille. Volume kidnapping qui fait dans le pays. Volume million qui n'a gen ramassé dans la population civile. J'ai décapitalisé la classe moyenne haïtienne. J'ai appauvri davantage de moun qui tenaient pauvreté déjà. Non, ça yo pas gen pardonnable. Mais par conséquent, gagne plusieurs façons que yo mange mayok en bas. Si c'est vérité à pour nous connaître pour nous commencer mayon bout de mayok, pour ne pas être fiel nous, que bandi yo ban vérité. Eh bien, peuple haïtien, politicien, pas venu connaître vérité. Gang nan gen 3 étapes là-dedans. Première étape là, c'est oligarque qui commande gros bateau zam, gros conteneur zam nan. Qui font seul avec l'église catholique épiscopale d'Haïti. Deuxième étape là, c'est politicien haïtien criminel assassin gang qui travaille pour Renaud Dib, qui travaille pour Gilbert Bidjo, qui travaille pour Aka, qui travaille pour les Meuse, qui prend zam nan qui va le mettre dans quartier pour gagner des territoires, pour territoire ça capable à partir avec politicien pour politicien capable travail pour faire pression pour oligarque patron là qui va les amener. Et politicien ça, oligarque va le gagner comme pion en dedans parlement qui c'est le Sénat de la République et la Chambre des députés.
haïtien. Son pays qui pourrit, son pays qui ganglé, qui pourrit complètement. Oligarque tellement stratège, tellement intelligent, ça cause même d'où, quelque part. Pour battre contre chaud, il faut que vous utilisez stratégie paroi pour faire combattre chaud. Ou capable d'update li, ou capable de manœuvrer, ou capable d'ajouter un petit bagaille en plus, parce que vous êtes jeune, peut-être ou capable d'avoir intelligence qui développe, pour bataille. Et en plus de ça tout, façon que moi combat fait à Burkina Faso, Niger, au Mali, au comprenez-moi, façon que moi bataille contre gang fait dans le pays Salvador avec le président Nayib Bukele quelque part, ça facilite nous comprendre la réalité hein, et parler en façon avec la jeunesse haïtienne et peuple haïtien pour que vous capable font véritable bataille contre trois échelles gang dans le pays d'Haïti. Ça va avancer. Alors tout d'abord, je salue chaque grand nous captant de nous, qui a regardé nous là. Pas oublier non, jeudi hein. C'est 14 juillet 2024. Ou sous plateforme Maman Pemba, plateforme Pays Poté, hein? Plateforme qui pas peur chaille, plateforme Kapdil Jeunier, hein? Plateforme qui croit dans la vérité, hein? Qui c'est plateforme YouTube Info Beto. Aïssi Fremsem, j'aime toujours dire, bataille pays pas contre facile. Mais c'est monde qui a sens de responsabilité, c'est monde qui connaît qui gens, qui doit engager yo. Le pays en difficulté, c'est moun sa connaît importance bataille pays et niveau responsabilité qu'on gagne, le pays en difficulté comme jeune. Combat ça nous engage dans la dalle. Nous dit pas gain camper. Et pas jamais gain camper parce que la vérité rete la vérité et la vérité doit établi. Pas plus tard que et avant hier commissaire Muscadet fait en sortie. Sortie en panique tout nèg. Même de annoncer déjà, de dit nous, depuis nous Pierre Espérance attaquer un monde, ou mettre connait son monde qui a moitié mouri. Tendez-vous, messieurs, dames. Depuis Pierre Espérance attaquer ou, dans le pays d'Haïti, dans soi-disant pour Dieu rapport sur ou, attaquer dans la radio, ou mettre connait ou moitié cadavre. Pour pas finir mourir, c'est mettre un frein en action Pierre Espérance dans l'immédiat. Parce que tout naturellement, il y a un résultat dans chaque combat que l'on a mis pour des criminels notoires qui l'ont travaillé, qui sont des oligarques corrompus et politiciens traditionnels. Je me dis, nous, on va parler de dossier ça. Étape 1, politiciens parlent de gang yo parlé. Depuis gang yo parlé, yo parle de tous nos politiciens avec des preuves tangibles et irréfutables. Je me dis, nous, que oligarques corrompus ne parlent pas de gang yo parlé. Une des gangs qui ont plus parlé, c'est Jimmy Cherizier. Alias barbecue. Yon nan gang ke yo pa vle pale, se vite l'homme innocent, nek torsel la, nek krasé barrière. Yon nan gang ke nan yo plus pa vle pale, so gang ki tellement produit facile, ki tellement produit avec facilité et capacité à même tellement vin jouni facile, nan yo pa vle pale, li rele Jeff, et se li kap kontrole, réseau gang, réseau terroriste qui a dirigé Canaran sous mat la, qui contrôle rentrer Grand Orlan, qui fait moun, pas qu'à vivre à l'aise sous côte des Acadéens, et Haïtien pas qu'à rentrer, j'ai rentré qu'on rentre facile dans le nord. N'a pas vle Jeff parler, yo pas vle barbecue parler, yo pas vle vite l'homme parler. Et maintenant, n'a pas vle parler Kounia, c'est un chef de gang qui relè Kempes, qui se évade de prison, quoi de bouquet, pour kidnapping, qui tape travail pour Osmi la petit frère, et André Michel, Majorie Michel sous pouvoir Ariel Henry. Son kidnappeur avéré, son qui kidnappe en pile monde pour Osmi la petit frère. Kempes. Eh bien, n'a pas vle pour que gang ça parle parce que définitivement réseau criminel terroriste qui a kidnappé monde dans Port-au-Prince, yo met tête ensemble, yo créé une coalition qui relè vivre ensemble, yo a vivre ensemble pendant que nous même n'a couru passer par là comme peuple. Et ouais, bien structuré tête yo plus bien organisé que nous même population. Ils vivent ensemble pendant que nous-mêmes nous divisons ensemble. Ils rendent nous la vie impossible ensemble. Eh bien, mais si c'est fait ça, ils ont décidé pour parler. Ils ont peur pour que gang à sa patte là pas parler. Première étape, toujours son gel, c'est trois étapes que lié. Oligarque corrompu. Politicien, gang à sa patte. Pas oublier, là, on parle de politicien. Ou tout jeune dans le parti politique là. Alors, nèg kap fè, soi-disant, dit kap défendre moun yo. Pierre Espérance, Marie-Hélène Gilles, Samuel Madistin, ce sont des politiciens criminels, assassins, politiciens traditionnels.
qui travaillent pour le système. Nan. Et on a gang dans le pays. Ya. Parce que naturellement, sans doit résumer ça, c'est monde de plus qui attaqué pour protéger. Alors, pour protéger des oligarques corrompus, par exemple, Boulos qui semble distinct, toujours à protéger comme chef de gang. Samuel m'a dit à protéger Boulos comme chef de gang en dedans pays. Ya, et la protéger de l'autre criminel dans le pays. Ya. Bien espérance lui-même la protéger des politiciens traditionnels criminels gang, car tout le monde passe par là, pendant qu'elle a détruit des jeunes garçons qui sont dans la police et monde de bien qui t'a décidé de parler dans la politique pays. Ya. Pierre Espérance décide pour attaquer à boulet rouge. Monsieur Ameyo, il a décidé pour faire un bagaille. Première chose qu'il a dit, il a fait un ralenti sur le kidnapping. Non. Pas oublier ce kidnapping non, qui fait réseau terroriste. Yo. Et aux multimillionnaires. Je veux dire, je parle avec nous là, gang yon pas tellement de problèmes. Alors, yon pas de problème pour yon bataille contre nèg qui kon vann yon zam nan. Ça qui fait ça. Est-ce que nous rappelons pour te bouer que M. Ameyo te fait en dedans CPS son port privé qui pour Edouard Bossan? Yon pas Edouard Bossan? C'est chef terroriste criminel gang qui a dirigé Unibank dans le pays d'Haïti. Eh bien, le monsieur est en train d'entrer, il y a plus de 500 conteneurs. Parmi les conteneurs, il y a un lado qui a été porté matériel, zam, en pile munitions, pour devenir vendre avec les armées. C'est business que les oligarques ont fait en pile avec les armées dans le quartier populaire. Yo. Parce que les gens ont acheté en mitraillette. Pour 600 dollars, pour 2000 dollars américains aux États-Unis d'Amérique, l'on arrive en Haïti, mitraillette ça pral vendre pour 10 000, pour 12 000 dollars américains. Nèg la achetons 9 mm pour 300-400 dollars États-Unis, l'on arrive en Haïti, la vend ni pour 2-3 000 dollars américains. Dis-moi qui business qui est rentable que ça. Pendant que l'on arrive en franchise, l'église catholique épiscopale pour le rentrer matériel. Nèg ça, c'est l'argent l'a fait pendant que nous-mêmes la vie n'a pas détruit. Eh bien, m'a dit nous que oligarque entravé et nèg dit faut que c'est touyer pour touyer barbecue pas n'importe qui moyen. Parce que yo tellement qui conversation avec barbecue, son bagage grave pas le barbecue parler. Yo tellement parle avec et comment il éviter l'homme innocent, yo pas éviter l'homme témoigner. Yo tellement parlé avec Jeff dans Canaran, pas le Jeff dans Canaran c'est Edouard Bossan qui était planté gang ça là et l'autre politique, il a tout fait dans la politique, yo bénéficier pour que yo capable battre contre Jovenel dans le pays lock. Nèg yo pas vle pour nèg ça ou parler. Mais ben yo besoin éliminer théorie ça yo qui qu'on a kidnappé moun dans Port-au-Prince là. Mais maintenant, pendant que nous dit que faut que nous tous les gangs, oui, faut que mourir, faut que payer pour ça yo fait. Mais est-ce que moun qui produit gang nan, est-ce qu'elle doit exister lui-même? Est-ce que son droit qu'elle gagne pour l'exister? Pour nous toujours à parler de gang à sa patte, pendant que c'est lui qui a produit gang à sa patte. Je dis la première solution, ou du moins une parmi points qui n'a pas abordé pour avancer vers la solution, c'est qu'à de comment éradiquer total capital, neg, sa yo, qui t'a pris des âmes en dedans pays. Qui c'est des oligarques corrompus. Eh bien, qui s'est bagalayé? Nous avons pour devoir. Monsieur le commissaire Muscadet dit, attaquez Monsieur Sayo à boulet rouge. Parce que yo fait nous mal, en pile. Nous pas de droit quitter yo, vivre en paix. Faut nous faire sentir mal que yo fait nous. Nous pas vivre, nous pas qu'à vivre avec cicatrice dans que nous. Faut monsieur connait que yo doit joindre réponse avec mal. Que yo fait yo. Trop crime. En dedans pays ya. Mais si yo fait trop crime. Sous nous. Comme peuple. Et ben m'di. Faut gagner des réponses proportionnelles. Par rapport. Avec crime sa yo. Qui commet sous nous. Comme. Peuple souverain. Faut nèg yo paye pour zak ke yo komet yo. Faut nèg yo paye pour crime qui fait dans la société. Zam
vin jwenn gang armé yo. Katouche vin jwenn yo. Yop kidnappé moun. Oligak kompi ap tande l'argent kidnapping nan. Nan men mesye nan katouche l'ap vann yo. L'ap tande l'argent kidnapping nan. Tande bien comment nèg yo finou yi. Yo rentre plus zam. Yo mette, yo fè la police de temps en temps, al pété quelques green balles avec bandi. C'est même yo même nan qui utilise la police encore. Al fè la police al camp en bas pété balle avec gang. Pour gang nan capable tirer cartouche qui nan men lan pour capable venir réacheter encore nan men oligak kompye kap vann zam nan. Mais c'est des policiers encore que oligak sa utilise pour que capable faire distribution munitions yo. Et Noël Jimmy Cherise barbecue te témoigné dernièrement. Et même a dit nous que jodi a li leur temps. Pour que nous résoudre le problème gang nan. Wyclef Jean doit rentrer dans le pays. Fok gang nan, faut nous connaître qu'est-ce qui va les amis, faut nous connaître qu'est-ce qui va les balios. Ça que vous faites là pour faire définitivement pour nous capables de connaître que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des oligarques corrompus qui vendent des âmes dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des politiciens qui prennent des âmes dans le ghetto. Ça, faut que les suspendent. Et faut que tout le monde accepte le noir sur blanc, si le noir sur blanc, que ça doit finir. Nous ne pouvons pas tolérer et il n'est pas acceptable pour que le continue. Nous devons finir avec pratique ça en dedans pays ya. Peuple haïtien, n'a pas avancé. Intervention commissaire Jean-Ernest Muscadin fait sur radio et télescope FM avant hier. Côté Gary Pepon Charles tap questionnel. Commissaire Muscadin parle parole là. Hey, n'de dit n'gyo ça. Gon côté absia privé, l'a éclaté et l'elle éclaté pas gain passer par quatre chemins. Pas gen passe par route pas bois, c'est au peser. N'a pas obligé peser pour une solution. En nous tendait avec un pile intérêt. Déclaration chef paquet Miragouane, maître l'action publique, chef de la poursuite là, qui c'est commissaire Jean-Ernest Muscadin. L'extrêmement important pour nous tendre, pour nous comprendre la raison qui cause nous toi Pierre Espérance t'ai fait sortir malouk qu'elle t'ai fait dernièrement. Quand sorti ya, bon faut ti mettre ton petit bagaille, bientôt ba on ti l'ancien, mais voilà. Est-ce que c'est pas absence d'état qui fait fermez bouche toujours, salope sale. Ti volo kotoyé. Re mini nèg sa on a tête organisation soit des qui relé RNDDH. Yo relé le réseau national de défense des droits humains. Moi, je le réseau terroriste de défense des droits de gang. OK? Des droits terroristes. Parce que c'est exactement le travail. Monsieur impliqué jusqu'au cou dans tuer président pays non, qui est le président Jovenel Moïse. Pierre Espérance dans tuer président Jovenel Moïse. À travers un rapport, un faux rapport, dans quel soi-disant sorti dans la saline. Côté qu'elle mettait. Non, Jovenel Moïse dans le rapport, elle fait un juge pâle que le contrôler en dedans système judiciaire qui est le Jean Roger Noël Sirius. Produit un faux mandat, mes amis. Un mandat illégal contre le président de la République qui est le Jovenel Moïse. Juge la fait mandat, vrai, oui. Oh! Il fait mandat. 18 février 2019. Mandat ça? C'est André Michel, John Joël Joseph, Mario Beauvoir qui c'est avocat RNDDHP Espérance, qui t'appelle premier ministre dans le tentative coup d'état que Dimitri Vob t'a fait dans le village Petit Bois sous président Jovenel Moïse là, avec Ivy Kalta Brésil, vous songez ça. Et puis, c'était Nenel Kassi qui était présent pour négocier fait mandat. Tenez bien, oui. Nenel Kassi, John Joël Joseph, André Michel, mettre Mario Beauvoir. C'est quatre messieurs ça yo qui t'allent dans le cabinet de destruction pour faire juge l'enfer mandat contre le président PIA qui c'est président Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? Mais quatre parmi les assassins de Jovenel Moïse. Youn condamné à vie dans la prison aux États-Unis d'Amérique. Les relais John Joel Joseph. Il était trois autres qui pour condamner qui t'allent faire mandat. Et puis juge l'en fait quatre autres qui pour condamner. Quel que soit moyen, faut que juge l'en, faut que l'État haïtien. Le la fait travailler, la justice comme sous deux pieds, faut que fait juste à rentrer dans le pays pour que juge là-bas, dès qu'il prévient, dès qu'il manigance, il te fait mandat ça. Pas oublier non juge dans le Jean Roger Noël Sius. C'est extrêmement important pour nous gagner l'archive, nous. Marquez un côté. Et écrit non juge dans l'espace commentaire là pour nous. Juge qui fait mandat pour assassiner le président Jovenel Moïse là, écrit non Jean Roger Noël Sius. Et puis écrit non, mais non juge
qui te fait mandat pour tout le président. Écrit comme ça. Et il écrit Jean-Roger Noël 6. Et puis parle avec Pierre Espérance, n'est-ce pas, commentaire là pour moi. T'as pour souple. Extrêmement important. Et bien après tout, ça lui fait sortir dernièrement pour attaquer le commissaire Muscadet à boulet rouge. Nous dit Pierre Espérance, bien joué, récit croisé avec bien contré. Et deux yeux contre menti kaba. Ou fait soit faire pendant longtemps, et bien je dis que bientôt en face ou. Ou gen réseaux sociaux en face ou. Que ce bagay ou contrôle l'opinion, pour jamais on a fait diversion pour ou, pour dire ça pas existe encore, nous finons avec ça. Ben reste avec bon choul, nous fait trop mal dans le pays. Je dis à qui te vérité à parler dans les réseaux sociaux. Et bien tande bien qui salope sale là, t'as essayé. Tande bien oui. Nous prenons le temps de par la suite intervention commissaire Muscadet qui est extrêmement important pour tande. Sous pas qu'attendez, sous pas qu'attendez, sous pas prendre temps ou tande, intervention chef de gang sur écran, qui est le Pierre Espérance là, ou pas même besoin de perdre du temps pour le temps de commissaire Muscadet, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, intervention commissaire Muscadet, c'est ça qu'il faut comprendre, réseau qui cause misère attaquer le commissaire Muscadet. T'as bien oui? Parce que c'est un, deux, que lié. C'est tout ce qu'on est nous-mêmes en tant que famille, amis, plateforme YouTube et Foubeto, nous pas des gens qui pressent, nous c'est des gens qui tendent et vous comprenez. Entendez? Mes chefs de gang là. Attaque contre le commissaire Muscadet. Muscadet a pas agi comme ça. Commissaire Muscadet. Muscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale. Là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale. Là. Il c'est un commissaire gouvernement, j'ai envie de dire commissaire groupe Muscadet. Oui, il c'est commissaire gouvernement dans la juridiction de NIP et la Mirabouane. Alors, yon commissaire gouvernement, c'est pas n'importe quoi. Moun, il a pile autorité dans la chaîne pénale là, il a pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuit. Ça, il doit gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous n'avons pas qu'à parler des absences de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis à en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et pour gagner 10 départements. Et lorsqu'il y a des problèmes pour gagner, je vous dis, ça nous est des gangsterisations au pays. Hein? Et bien, et banalisation de la vie monde, bon, banalisation de la vie monde dans tout le pays. Hein? Mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui est gagnée occupée par plus de 90% et après ça, on partit dans la Tibonie. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest et grand-est, sud, sud-est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire. Yon commissaire gouvernement et tant que Muscadet, s'il voulait et appliquer la loi et s'il voulait combattre gang, la monter, la prendre la loi comme vous savez, la monter en task force comme chef ou suite, la juridiction, laisse ça la prendre et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le petit commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gagner. C'est dans le plus résultat dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gagner. Ça veut dire qui ça? Bandit aujourd'hui, pour nous-mêmes, place, c'est prison ou cimetière. Vous faites trop. C'est des terroristes qui sont. Nous n'avons pas d'accord pour que les gens puissent négocier avec vous. Et vous faites trop et vous coulez dans les yeux. Nous-mêmes, journalistes. Qui est victime. Population, la police, ils font pas que Zach dans la société, mais nous pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Là. Qui décide, monsieur dame, un commissaire gouvernement, ou un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer, et pour dire qu'on a le dernier mot, pour dire, et on va mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais venir avec mon exemple. Allez, où est le voleur? Le fond de l'air, il est sous juridiction Muscadet. Famille, Tilapli,
est-il appelé, sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont fond des nègres. Est-il appelé grand pilote dans fond des nègres et barons, les gagnants et nos têtes qui travaillent pour lui, les gagnants en pile business dans le marché fond des nègres là, et bien dans le marché fond des nègres là, businessman dans fond des nègres. Yo bay miskade kop et régulièrement pour faire travail. Attendez, oui. Ça veut dire, monsieur, il faut comprendre que si la pe gen business kap paye miskade, c'est pas de respectant. C'est pour montrer où. Ça veut dire que monsieur cherche tout moyen pour manger comme monsieur miskade physiquement, yo pas capable. Il y écrit plusieurs mini justice qui passent déjà dans tête ministère de la justice pour faire révoquer commissaire miskade. Ça va passer. Maintenant, Livini écrit là, et récemment il écrit, nouveau ministre de justice qui est là, qui se met Carlos Akil, qui m'a profité pour me saluer, parce que jusqu'à maintenant, il faut me connaître que M. Carlos pas accepté de rentrer dans le logique, monsieur, et monsieur très critique envers le ministre de justice là, et pour le ministre en même temps. Et bien naturellement, monsieur écrit Carlos Akil pour le demander pour le révoquer, monsieur Kadena Chenpe, comme commissaire gouvernement. Ça, monsieur, qui ça le besoin? C'est parce que tout simplement, Nenel Kassi, besoin d'entrer dans l'île pour la faire campagne, pour la préparer élection. Mais pour préparer élection, il faut qu'il distribue des armes encore dans le département NIP pour le rebanon l'autre chalon encore. Et nous rappelons ça que tu as chalon. Moun dans le Grand Sud qui a témoigné. La famille Fortune est capable de témoigner. Margaret Fortune est capable de témoigner. Sœur, ancien sénateur et défunt, et sénateur Gabriel Fortune. Et bon, il y a tué les policiers tout vivant, il y a boulé tout vivant. Non. Dans chalon. C'est Nenel Kassi, oui, qui te mette gang nan. C'est le te armé jeune garçon, oui. Eh bien, je dis Nenel Kassi, besoin de tourner. C'est monsieur, oui, Nenel Kassi mette pour attaquer commissaire Miskade pour que li capable de tourner en département NIP. Est-ce que vous pas pensez son méchanceté? Est-ce que nous est logique? Est-ce que l'acceptable de Bayisien? Est-ce que nous avons tout, comme si tous les gens de blouser ça dans nos sociétés toujours? Est-ce que l'acceptable pour l'accepter? Je dis, vagabondage ça yo, a fait nos sociétés. Mais qu'a dit la défendre à monde pendant que c'est gang ni la protéger, c'est gang qui besoin implanter plus dans le pays pour capable faire il l'argent. Est-ce que monsieur doit rester à fonctionner sur monde toujours peuple haïtien? Entendez ravette pour ya pour comprendre la réalité. Même qu'on est que n'a profité que l'espace commercial pas avec moi. Parle avec ravette là. Avec ça, secteur privé capable supporter des acteurs dans chaîne pénale à faire travail. Mais businessman qui travaille pour dit la bio. Yo bay miskade kop régulièrement. Ça veut dire que miskade nan manje l'argent qui tapin, nan manje l'argent bandi, nan manje l'argent gang. Ça déjà monsieur fréquent, oui. Monsieur dit commissaire miskade nan manje l'argent gang, nan manje l'argent kidnapping. Monsieur fréquent pile monsieur. Miskade pas nous monsieur. Miskade pas nous que la diaspora est alors supporté à 100%. Pour voler ça que les PSP instant, osez dire nous que Miskade mange l'argent kidnapping. Ou Miskade qui va vle, ou elle mi a bandi passe devant. Bien que, naturellement, ou de respectant ouvert bouchou ou sale bouchou disodien, mais nous-mêmes nous connaissons que peuple nous n'a pas qu'à quoi un bagay comme ça. Et pas bichan pre la donne. Et mon numéro qui est en rapide comme sous les pieds, ça me demande yo tout. Pour yon bon réponse la pressé. Ou d'accord avec moi? Entendez, peuple haïtien. Pour qui ça n'y pas engagé et aucune poursuite contre et Tilapli. M'a dit pour t'al poursuivre. Maman t'il a pris parce qu'il fait t'il a pris fait caille pour maman et fond des nèg dans baron dans section et rural là mais quand même il connaît tout business qui gagne en bas il connaît tech qui gagne il connaît gagne hôtel il pas jamais faire rien donc demande ou t'es fait pour ma révocation toujours maintenir NDDH fait une lettre. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, et le Miskade avec le commissaire gouvernement au Kaila, alors commissaire Miskade, il faut me dire pour ne pas déranger et allié Miskade, et yo te gon discussion sur les réseaux. Oui, allié nous-mêmes. Nous allions même. Et pour qui ça, c'est parce que Miskade, tu as fait un descendu lié. Nan et un hôtel qui n'a pas sali qui passe sous juridiction et Richmond dénonce ça commissaire Okay le commissaire gouverneur Okay et Richmond dit c'est pour Bosley qui t'a travail alors Bosley il a parlé de Hervé Foucan c'est Hervé Foucan qui sont trafiquants en droit qui mettait Muscadien sous journal comme commissaire gouvernement et nan Miragouane et
tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui est là, c'est Emily Prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour Miskadin, commissaire Miskadin, une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons l'aide avec un ensemble de cas, de communauté 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, il y a des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas. Et on les déblâme pacifique, nous demandons pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Regardez, oui. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas demander que vous continuez de blâmer. L'homme de révoquer là, est-ce que ça va pas par cause ni gagner, regain base dans l'encore? Département. Qui c'est là? Non, je ne sais pas que c'est celle qui département qui sait. Tout le monde est capable de constater que Kenya est arrivé. Alors, premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Et il faut que je dise tout, il est arrivé, mais votre comparé pour venir. Il est venu, c'est parce que là, ici, d'après le prendre tête du Conseil de sécurité, et les États-Unis étaient venus Kenya. Alors, les États-Unis avec les Nations Unies étaient venus Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête du Conseil de sécurité pour ne pas bloquer. Et au Capaboué, il y a là depuis le 25, et il y a fait Tiflané dans la zone Daba, il y a les Chanmas, mais pour répondre à la question directement, c'est la police nationale qui prend le contrôle et l'hôpital général, ce n'est pas Kenya. Moi-même, je pense, il y a là depuis le 25 juin, et ça fait déjà 2 semaines. Et ils ont été doués pour nous-mêmes. Ils oui. ont été doués commencer dans la RIA avec des unités spécialisées et dans la police pour et explorer les zones. Et si on a une opération, on va le faire, on va le faire plus devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence. Et ça, ou un article Kenya, sont propagés. Mais j'en ai dit, et l'hôpital général, c'est la police nationale là, qui est en ligne et est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec sa table hier et Gangio et Bonaparte. Déplacer. En fait, RNDDH pas suspendu. Voilà. Et bon, il va intéresser pour nous donner ça. C'est mon cap travail avec PSPRS. Pendant PSPRS, ça fait malversation là. Il même la manger là, j'ai mal ficté. Mais maintenant, ça qui est important pour nous, et pendant la prétire, il faut tracer ça. Alors, équipe Pierre Espérance, connaissant de vous, équipe Pierre Espérance, ou pas bon monde, c'est monde saloué, c'est criminel ouye, c'est voyouye, c'est voloye. Vous comprenez? Et c'est ça. Mais maintenant, mettez le monde de bien. Nous avons travaillé pour la nation, nous avons travaillé pour la République, nous avons travaillé pour la diaspora haïtienne dans le pays. Parce qu'il prend le parler là, il faut que nous mettions le sous écran. Maintenant, entendez, commissaire, peuple là. Et pour comprendre la raison qui cause chef de gang, ça que tu parles là, tu parles et fais intervention que le fait pour attaquer le commissaire Miskadin. Entendez, commissaire pays là. Par le département,
Et bon, vous êtes là, vous êtes personnellement, vous êtes content. Sous téléphone, tu as pas la voix là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes
Mais est-ce que militants de la Mounsaro, c'est des gens qui ont bloqué la République? Et c'est des gens qui ont bloqué la République. Et bon, quand même, l'extérieur qui a gonflé, oublié, plein d'extérieur qui doit se voir, tout pays a gangsterisé. Gangsterisé. Ils ont fait capital pour les gens. On pour les actes la police est tombée. Ça n'a pas de problème. Les citoyens prêts à dire que ça n'a pas de problème. Mais pour ces bandits, laissez confrères tomber. Je dis à la vie même. Je ne sais pas si l'État a fait, bien sûr, tu vas rester autour de Paris. Je veux l'État qui pourra l'appeler, il n'y a pas de réduction, non? Quand on achète le pays, après, c'est 1500 là. Et bien, après, on se fait un peu de 400 euros. Pour l'appeler, il y a même. Les difficiles, dans le contexte, ça. Allez, oui. Gary Paul Charles. Tout le monde évoqué. Allez, oui. Gary Paul Charles va le faire une intervention là. Et sous le dossier Miskaden, je m'ai invité à nous tendre. Il aime te faire lui. Il aime te faire nous tendre. On va partir là-dedans. Par contre, c'est dans les tout. Pas comme débat nous tout. Non. Mais l'intéressant maintenant pour nous t'attendre et toute déclaration ça. Commissaire Miskaden, en tant qu'intervention que Gary a fait sous Miskaden. T'as dit ça? Bon, question respect droit. Bandit? Par rapport à l'agent autorité ou à Bagi, par rapport à Bandi. C'est difficile. C'est difficile tout pour bloquer Muscadet. C'est difficile et presque impossible pour faire Muscadet ma président. Et paroles, ça, Dieu. Nous avons une idée des paroles, ça. Presque impossible. On a dit, écoutez, c'est un homme qui n'est pas trop formé. Monsieur Pagé, formation nécessaire. Leslie Maniga, même vient avec vous. Marc-Louis Bazin. Ouais. Monsieur pas même Jean avec l'avocat qui a été assassiné. Mec Montferrier Dorval. Monsieur Baron Daniel Fiolet. Mais dans ce contexte, on n'a pas besoin d'hommes de discours et de culture. On a besoin de quelqu'un qui pourrait faire peur aux hommes armés. Et c'est pour ça que Muscadet est important. Moi, je ne prends pas parti pour Muscadet. Je suis en train de dire ce que je suis en train de vivre, hein, les pulsions de la masse et l'expression populaire qui se dégage, ou qui se cache d'abord et qui se dégage derrière le commissaire Muscadet. C'est une première chose. La deuxième chose à dire, il est vrai dans un contexte démocratique, dans un pays où les institutions existent, où la vie a marché, où il y a le travail, il y a l'université, il y a les secteurs de santé qui marchent, si on est blessé à l'hôpital, si on a voué petit tout l'école, c'est-à-dire dans un contexte normal. Le ça, où il doit poser question, si on fait poser action par rapport à même Jean, commissaire Muscadet, a fait ou qui doit questionner. Mais dans un contexte où la justice est piétinée, il y a eu évidemment des juges importants. Ah ouais, je suis dans une bonne position, vous le dire d'ailleurs. Des juges importants. Scoop. Des juges qui ont pris leur courage pour prendre des décisions difficiles. Ces juges existent. Mais le système judiciaire aujourd'hui est défaillant. On doit le reconnaître. Nonobstant cette défaillance, il y a des efforts de temps en temps qui se font au niveau de l'appareil judiciaire, juge d'instruction comme Olivier Morin, ouais, des mondes, comme doyen des mondes, des autres juges qui prennent des décisions. Il faut respecter ça. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est camper bon côté commissaire Muscadet pour continuer mener bataille là parce que bataille ça l'hypothèse résultat pour nous parce que moun nan sud moun nan nip et naturellement pas vivre situation difficile que moun bodo ça vivre là et le plus grave c'est que naturellement nous t'ai quitté chef de gang Nenel Kassian continuer avec action lio dans département nip là. Et m'a dit donc que naturellement il y a pile l'autre intervention qui fait toujours mais avant nous pas laisser font coup de patte dans politique parce que
gagné le fameux sénateur Edo Zeni, l'homme sans filtre, Nèg Sud-Est, Nèg Jacmel, et qui fait une intervention dans toujours micro Gary Paul Charles, que je vais l'inviter nous tendre avec un peu d'intérêt. C'est toujours sous dossier gangsterisation gang yo, alors gangsterisation pays d'Haïti, que politiciens yo impliqué. Nous allons tendre l'intervention Edo Zeni, et puis nous allons comprendre l'été. Sénateur Edo Zeni, bonsoir. Gary Paul Charles. Vous avez évolué, donc il y a un grand changement. Bah, elle a changé, parce que ce n'est pas de la mélodie, la politique. Hein? Bon, on est en train de construire, ça pour nous construire. Mm-hmm. Mais et pour tout premier réponse, c'est que Mbadjam n'a pas acheté. Je suis l'ami, un ami pour Mbaba du fidèle de Michel Martelly. Et parce que Michel Martelly, j'ai une relation amicale avec de longue date depuis mes 19 ans. Vous entendez bien, Gary? Oui, on m'a parlé. Nous entendons bien. Ok. Ok, Mbadjam n'a pas acheté, mais. J'étais un supporter, qui j'aime dans le sens, des bons amis Michel jusqu'à présent, et des sénateurs, on dit un sénateur du pouvoir. Donc, Mbaka Kouribouli, et un sénateur du pouvoir. Et pour candidat à la présidence, je ne pense pas, je ne crois pas, je ne sais pas non plus. Ça veut dire qui ça? Oui, mais moi, écoute, être candidat, regardez, il y a des bails qui sont importants pour moi dans la vie, moi. Je dis à qui c'est famille, moi, parce que moi, j'ai 55 ans, bah, jeune, même si je suis figuier, je suis un jeune grand monde. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est regarder qui j'ai un pays à qui marche bien, et comment même moi, qui arrive de vivre la donne, parce que je finis le travail, je finis de gagner ça, je bataille. Donc, je dis à Mbakaoué que je vais vivre en République Dominicaine à Cop-Main, ou bien je vais vivre ma amie avec Cop que je fais dans le pays, que je travaille. Et puis, j'ai un nom aussi en Haïti. Je n'ai pas ce nom en République Dominicaine. Tout à fait. Je n'ai aux États-Unis d'Amérique. Donc, même si je gagne l'argent, je suis un bel cas en République Dominicaine, mais ce n'est pas le même feeling, ce n'est pas le même plaisir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas d'être président ou bien candidat à la présidence, mais c'est de garder qui j'ai ensemble. Donc, à construire l'autre Haïti pour tout le monde capable de vivre là-dedans, c'est ce qui m'intéresse. D'accord, merci. Merci beaucoup pour répondre ça, mais Gomba qui est extrêmement important, on va avancer rapidement, parce que nous connaissons son aigle proactif. Est-ce que vous pensez des nègres qui ont sanctionné dans le pays capable toujours candidat pendant au fin de faire pays à tout ton ça? Bando, il y a un plus gros problème que nous avons dans le pays, c'est la population qui paye, si on comprend, et ça pour le régler lui-même. Par exemple, si vous songez, et dans toute l'histoire d'Haïti, pour cette consolidation, vous songez, combien de trois qui étaient condamnés, qui étaient pris en prison, et puis tous les trois viennent président du pays. Et nous vivons un pays côté bon peuple, qui est très naïf et qui est très émotionnel. Ça veut dire que au bas de 16 ans, et Michel Martelly qui est un ami, qui tournait la politique, et puis regarde où la vie n'a pas de problème, tandis que là, politiquement, pour nous, là, qui regardons, qui fait politiquement, Michel Martelly est un homme mort, ou d'accord avec moi. A priori. Mais, voilà, ça veut dire qu'il est capable de réveiller n'importe qui est avec des paroles, avec des slogans, yes, avec des bagages, et puis où une population qui a marché, qui a continué. Écoute, nous vivons un pays, il faut apprendre qu'on peut. Même ces petits gros forces de Zeni dans le département sud-est, m'apprennent qu'on population, m'apprennent qu'on mounio, m'apprennent garder qui ça mounio bien. Une grande chance, c'est que je fais dans une famille aisée, pour m'a dit bourgeois, aisée. Et moi, vivre dans le peuple. Ça veut dire, tous les amis, moi, seul côté de l'école qui était au Tijambar, moi, c'est dans Dikini de Carrefour, au centre Adventiste Dikini, je me fais 2 ans à l'année. Après ça, je retourne à Jacmel. Ça veut dire que j'ai vécu un homme de la province. Je suis un homme de la province. Ça veut dire que je compte les rois paysans, comprendre le pays, comprendre le peuple là. Moi, vivre souffrance. Et moi comprendre souffrance. Donc, la première chose, c'est pour comprendre le peuple. De pour comprendre le peuple, tout est possible. Ouais, Yuri l'a tordu,
a fait y retourner en politique là. Regarde pour moi. Ouais, il a dit que nèg pas marcher. Bon ben oui, a marché. Petit à petit, comment son bagage là tourné. Là fait conférence, l'ina et cérémonie Ronaïve etc. Ouais, et il relait tout journaliste, elle vient pour rencontrer l'autre journaliste, il va dîner déjeuner avec un journaliste, monsieur Apoit, parce que pas Mexico négocier de vieux routier de la politique. Okay. C'est ça, nous avons dit, Darius, c'est ça, nous avons dit, nous, ce peuple-là, ce peuple émotionnel, il faut que nous comprenions. Ça veut dire que, Gampil n'est qu'à jouer sur l'émotion, peuple-là. Parce que tu vois, et c'est ça que fait les anciens politiciens, les traditionnels, pas jamais les faire payer à marcher, parce que qu'on n'est pas jamais sanctionné, vous voyez, par le peuple. Justement. Parce que le monde dit vous sanctionne, écoute-moi. On me dit que je ne peux pas être président parce que je ne pas finir la semaine. Je me dis, ok. Pas de problème. Mais la majorité de la population pas fait, qui va le voter, pas fait. Pas même fait classe du donc tout. Donc ça veut dire donc, la population pas jamais dans le pays, ça veut dire oui. Non, ça veut dire que le pouvoir si réservé pour une minorité cupide et égoïste. Résultat. Voilà, ça veut dire que tout nègre qui t'a réussi, qui vient demain matin, soit médecin, soit bon doctorat en tel bagaille, ou bon maîtrise en tel bagaille, mais papa et maman, ils pas qu'on lit. Donc, en majorité, donc maintenant que ils sont arrivés, ils viennent arriver président, mais ils viennent arriver au plus haut niveau de l'État, mais ils ne vont pas faire un bon nez qui derrière. Donc, émotionnellement, pour répondre à la question directe, ils sont peuple émotionnel. C'est, et au paradis, que ne fait pas qu'à tourner. Surtout que mon débat, l'affaire juridique en Haïti, si Nevio gagne bagaille sous douille aux États-Unis, est-ce qu'il gagne en Haïti? Ça, c'est un débat. Est-ce que si on sanctionne les Nations Unies ou bien Blanc sanctionne le Canada, et c'est Canada qui sanctionne, est-ce que la justice haïtienne sanctionne tout? Voilà, c'est un autre débat. Okay, maintenant, okay. Sinon, il n'y a pas sanctionné en Haïti, laissez-moi vous dire que il y a un candidat et il y a un problème. Vous êtes en bas, normalement, il y a des bails qu'on connaît. Au nom de l'histoire et de la vérité, quand pile qui a amené le pays, c'est un collègue qui te met des amis dans le pays. Sénateur, justement. Donc, qui vont comprendre la situation, ça? Député et sénateur, finalement, il y a ouais. Et puis, je dis, mais pour te traverser, ouais, quand tu traverses Ville-Bordeaux-Prince, obligé de passer par la frontière, etc. Mon situation que Negouyo, entre autres, et certains bourgeois, même avant, aidaient ouais, pour financer pour qu'il y ait des armes. Qui sont dit nous par rapport à la situation? Ça va sauter dans le Parlement. Où est-ce d'ailleurs? On a les deux. Bon, ça sont un gros débat, les tout. Parce que armé quelques monde. Par exemple, dans des rapports, m'a regardé des rapports Nations Unies qui dit Michel Martelly, t'es baille et tête calée et on s'en parle le bien de l'autre monde, c'est pas par le bien de lui-même. Ça veut dire que c'est pas lui-même qui t'es baille, mais son monde sous côté que le t'es fait baille. Oui, pour tes amis. Son grand âme, son grand âme qui baille. Ça veut dire son galil qui baille, qui peut-être pourrait être et capable de maîtriser. Mais maintenant, là, on va croire tout les âmes qui l'ont mené, c'est sénateur et la bourgeoisie, ou bien certaines, bon, faut dire, on partie de la bourgeoisie qui a fait politique et qui a fait quoi en politique. Parce que, même bon, on n'a pas besoin de citer, non, mais n'importe qui, le babé cri baille sous, bon, le m'a fait baille sous, vie moi, non, on n'a pas cité. Parce que même si j'étais gagné, et on est un gros grand Port-au-Prince qui fait politique et qui fait cob avec qui vend l'État. Aujourd'hui, eh bien, monsieur, on dit le motocyclette qui était gagné entre lui-même et lui-même. Et puis, il dit qu'il dit devant lui, il dit qu'il a tiré. Et là, ça me dessine la tête de la République. Ça veut dire que ça, son nez qui gagne pile pouvoir pour le cap et pour le sénateur que le cas tiré. Est-ce que tu vois? Pour quelle raison? Non, t'es un conflit de motocyclette. Oui, achat motocyclette, d'appel d'offre de motocyclette. Appel d'offre, exactement, appel d'offre. N'est pas si mon carré, ça dépend de mon bail. Comprenez? Donc, le Gounia là, il dit mon quartier, mais comprenez, je viens commencer à comprendre que Port-au-Prince est mettre. Et c'est une raison qui fait même l'homme des sénateurs, je ne dormis dans Port-au-Prince. Moi, toujours à dormir là, quand même, il laisse la pays, c'est bon. Je ne
retourner, monsieur, séance me finit à 1h du matin, me donner la carte, pour me donner la question, mais même moi, pas quoi, que c'est seulement la bourgeoisie. Attendez, oui. Ça, c'est notre. Pardon. Edozeni Abdila. Ça, c'est notre Edozeni Abdila. C'est un mec extrêmement grave, oui. On est dans le secteur privé, dans Port-au-Prince, qui campait devant le qui dit le cas fusil. Pendant la sénateur de la République, oui. Ça qui passe, c'est mettre pays lié. C'est oligarque lié. Et c'est eux qui le président Jovenel Moïse, oui. C'est parce que vous connaissez aussi mettre Haïti, oui. Peuple haïtien, calez yeux, non. Et les sénateurs qui mettent pays à là. Je pense aussi que l'opposition haïtienne, ce qui est une opposition stérile pour Edozeni, qui ne produit pas, est-ce que ça me dit là, parce que dans tous les pays du monde, une opposition, c'est de taquiner le gouvernement pour faire le marché. Il n'y a pas empêché le gouvernement de travailler. Nous autres en Haïti, l'opposition est stérile et puis elle bloque Haïti en premier lieu. Soit regardez le discours de Préval, soit regardez le discours de Jean-Bertrand Aristide, soit regardez le discours de Michel Martelly et le dernier discours de Jovenel Moïse. On va comprendre que l'opposition haïtienne, c'est un petit gros problème que Haïti a. Parce que n'est pas productif, n'est pas produit, les médecins n'ont mené tout. D'ailleurs, même fait un barbecue qui a dit que Don Kato était ci, Don Kato était ça. Je me suis maintenant des bouquets à table, dit André Michel, Nenel Kassi, Nexarotiri, les lieux étaient bons. On connaît, et puis dans l'histoire, tout, il y a dit que l'État a été. N'est quoi des bouquets et comment il s'appelle encore? L'autre là, ça qui était des commerçants LDA avant, entourant l'LDA. Ah oui, ça qui était. Vite l'homme, vite l'homme. Moi qui est-ce? Man, li ou bien. Oui, je n'ai plus. Oui. Nous avions. Au contraire, les arrêtés, monsieur, me pas de connaître. Même monsieur, qu'on aime. Oui, par contre, depuis que tu es à l'aéroport. Non. CNN dans la caisse de l'année, pas de bouquet là. Vite l'homme. Ouais. Exactement. Vite l'homme. L'État a été vite l'homme. Et c'est l'histoire, non? Le dit CNN, c'est André Michel qui était avocat, qui t'a prêté pour faire la guerre. Bref, ça veut dire que. C'est un avocat connu. Dans le pays, il y a pour la guerre de la ville. Oui. Donc, exactement. Mais ça va nous raison que ces députés, sénateurs et vinaigres politiques, c'est eux-mêmes qui ont entretenu le mouvement ça dans le pays. Et ça même, oui. Éclairé. Il y a pas en sortie de là. C'est. On va discuter que ce n'est pas sénateur. Mais